Vous avez aimé la cuisine des mousquetaires? Je vais vous faire découvrir la cuisine des designers. Comment faire, comment préparer un best-seller en 1962? Alors la première chose très très difficile, c'est de trouver l'équivalent, surtout aujourd'hui, des frères Castiglioni. Pierre Giacomo et Achille sont des designers un peu ingegneri. C'est des gens qui font des objets extrêmement malins, extrêmement étudiés, et qui en même temps ne peuvent pas s'empêcher d'y mettre une petite dose d'ironie. Une lampe par exemple, un très bel objet en marbre, mais qui en fait vous fait penser à Snoopy. Ou alors à un interrupteur qui remplit tout à fait sa fonction basique d'interrupteur, et qui en même temps a ce petit côté tactile qui serait presque ce genre d'objet anti-stress qu'on garde dans son sac pour se déstresser. Alors la recette, elle est simple. Au début, vous prenez un bloc de marbre, pas n'importe quel marbre, le marbre de Carrare, le vrai marbre italien de Carrare, finement sélectionné pour avoir un parallélépipède légèrement biseauté sur les coins. Vous fichez dedans un arc télescopique d'acier inoxydable, un peu plus de 2 mètres, auquel on suspend le réflecteur. Le réflecteur est un aluminium poli. Il faut que ce soit un bel objet, il faut que tout soit harmonieux, mais surtout, il faut que cela pèse au moins 45 kg. Parce que le but, c'est de ne pas déséquilibrer la lampe dans votre salon. Parce qu'en fait, la gageure, c'est d'avoir chez soi, dans le paysage domestique le plus familier, l'équivalent du réverbère du coin de la rue. Détail malin, l'ouverture pratiquée dans le bloc de la lampe Arco. Comme il faut être 2 pour danser le tango, il faut être 2 pour déplacer la lampe Arco. Vous prenez la première personne disponible près de vous, votre belle-sœur qui passe par là, l'ado qui traîne entre la chambre et le réfrigérateur, vous êtes 2, armé d'un manche à balai, vous le glissez dans l'ouverture, vous le soulevez, et c'est fait. Vous imaginez qu'en 1962, quand ce projet est présenté à Floss, les frères Castiglioni sont suffisamment appréciés pour pouvoir finalement présenter des objets en toute liberté, avec à la fois ce côté technique et en même temps, peut-être pas poétique, mais ironique souvent, il y a ce côté-là. Et alors, ça devient tout de suite un objet qui va être un peu un signe de distinction sociale. Quand on a un lampadaire Arco chez soi, ça veut dire qu'on a du goût, qu'on est moderne et puis qu'on a peut-être un peu réussi. Par exemple, le méchant dans James Bond, Les Diamants sont éternels, lors de la scène de confrontation avec l'agent spécial anglais, est entouré non pas de une, mais de 2 lampes Arco, comme s'il était 2 fois moderne et 2 fois nocif. C'est un objet finalement assez simple qui remplit aussi sa fonction de design dans le sens d'éclairer sans gêner, c'est-à-dire un encombrement minimum pour un éclairage maximum, même le slogan a quelque chose d'un peu ironique, mais c'est la vérité, que vous en mettez une dans un salon, ça marche, vous en mettez 5 dans un hall d'hôtel, ça marche aussi.